Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle et l'intégrité de l'information, les défis de la résilience électorale dans un monde numérique. Je me présente, je suis Bertrand Levent, je suis le chef du pôle intégrité de l'information à la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie. J'aurai la chance de modérer ce webinaire consacré aux défis, aux enjeux, mais aussi aux solutions développées dans l'espace francophone au regard de l'impact des désordres de l'information et de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Alors que la moitié de la population mondiale en âge de voter se rend aux urnes en 2024 et que de nombreux scrutins se tiennent également dans l'espace francophone. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants qui ont bien voulu accepter de participer à ce webinaire. Tout d'abord, Madame Corina Calogaru, ambassadeur de la République de Moldavie en France et à Monaco et déléguée permanente auprès de l'UNESCO et de l'EIF. Bonjour, Madame l'ambassadrice. Monsieur René Bourgoin, qui est le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, par ailleurs membre du réseau francophone des régulateurs des médias, le REFRAM. J'accueille aussi Monsieur Jean-François Blanchet, qui est le directeur général des élections du Québec et secrétaire général du réseau des compétences électorales francophones, le RECEF. Et j'accueille également Monsieur Ababacar Diop, qui est le président de Jonction, une ONG sénégalaise active dans le domaine des droits de l'homme et du numérique. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui sont en ligne, connectés depuis tous les horizons de la francophonie. Vous êtes nombreux à être connectés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura plusieurs moments où nous sélectionnerons certaines de ces questions pour les poser aux panélistes. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions, vos commentaires également dans le chat. Vous avez la possibilité de le faire. Mais avant d'entendre nos intervenants, je vais tout d'abord laisser la parole à notre partenaire pour l'organisation de ce webinaire, qui est le Forum Information et Démocratie, et qui est représenté aujourd'hui par Monsieur Camille Grenier, qui est le directeur des opérations au Forum Information et Démocratie. Camille, la parole est à toi. Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais être rapide. On est ravis de co-organiser cet événement avec l'Organisation internationale de la francophonie sur un sujet, comme l'a dit très justement Bertrand, qui est vraiment une préoccupation de premier plan pour cette année électorale. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment de voilà, pouvoir avoir cet espace de débat, aussi de présenter des recommandations, et on aura l'occasion d'y revenir pour assurer l'intégrité de l'information dans les périodes électorales et aussi mitiger certains risques que l'on voit arriver avec l'intelligence artificielle. Je suis ravi d'être là et je vous permets, c'est vrai que dans le programme, on aurait aimé avoir Christophe Deloire, qui est le président du Forum sur l'information et la démocratie et secrétaire général de Reporters sans frontières. Malheureusement, il est empêché. Voilà, je suis ravi d'être ici. D'un mot, très rapidement, le Forum sur l'information et la démocratie, c'est l'organe de mise en œuvre d'un partenariat intergouvernemental qui aujourd'hui a été endossé par 52 États à travers le monde. Et je suis ravi d'avoir parmi nous l'ambassadrice moldave, puisque la Moldavie est un des, si ce n'est le dernier État, à avoir rejoint le partenariat pour la formation et la démocratie. On a eu la chance d'avoir le ministre Popescu ici à Paris en novembre dernier, qui avait annoncé justement la signature du partenariat. Et puis, je suis ravi de voir aussi des partenaires comme Ababacar de Jonction, avec qui on travaille au Sénégal, et puis l'ensemble des participants. Merci beaucoup, Bertrand. Et puis, je te repasse la parole pour la première session. Merci, cher Camille. Effectivement, on va commencer par une première session, un premier tour de table avec les intervenants qui sont avec nous pour qu'ils nous partagent leurs constats et les enjeux qu'ils voient pour l'intégrité de l'information et les élections avec cette nouvelle donnée qu'est l'intelligence artificielle. J'aimerais commencer par vous, Monsieur Diop. Vous êtes le président de Jonction au Sénégal. Le Sénégal vient
connaître des élections récemment. Comment avez-vous vu le rôle qu'a pu jouer la désinformation et les réseaux sociaux durant ces élections et qu'est-ce que cela peut nous apprendre pour les prochaines élections? Merci beaucoup, Bertrand, de m'avoir donné la parole par rapport à cette thématique. Au Sénégal, c'est vrai, on vient de passer l'élection présidentielle avec une opposition qui a gagné. Et il faut dire que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une utilisation des réseaux sociaux, surtout par les membres de l'opposition et les activistes et influenceurs qui ont vraiment impacté sur l'opinion. Parce que le problème actuel, c'est un problème de gestion de l'information et de la régulation de l'information qui, au départ, était détenue par l'État. Et l'État avait le monopole de l'information jusque dans les années 2000, parce que il y avait juste une radio, une télévision et un journal quotidien gouvernemental. Donc, à partir des années 90-2000, commence à apparaître dans le secteur privé qui s'est investi dans les médias. Et à partir de 2000, avec la progression de la pénétration de l'Internet, les citoyens aussi ont commencé à intervenir dans le champ informationnel. Et à côté des acteurs de médias, nous avons les citoyens qui interviennent aussi. Et il y a eu un cafouillage à ce niveau et qui fait que le monopole étatique de l'information commence à se réduire. Et de l'autre côté aussi, les acteurs des médias professionnels commencent aussi à voir l'espace informationnel être occupé par des citoyens qui interviennent à partir des réseaux sociaux et autres. Et je pense que dans la campagne électorale qui s'est déroulée au Sénégal et qui a commencé depuis 2021, si on peut dire, le champ informationnel a été lourdement et fortement investi par des citoyens qui n'ont pas été, dont personne ne peut contrôler l'intervention et qui donnaient des informations, des fois des informations vraies, mais la plupart des informations fausses. Mais aussi, et c'est là où je mets l'accent, il y a eu plus beaucoup de discours de plaisanterie et dont l'État n'a pas compris la portée. Et ce qui fait que pour les discours de plaisanterie, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été amenés en prison parce que bon, la justice ne comprenait pas. Et le cas concret que je vais vous donner, c'est un jeune qui a été amené en justice parce que tout simplement, il a tenu un discours de plaisanterie. Mais devant le procureur s'est rendu compte que, bon, finalement, on l'a mis en prison tout simplement parce que les gens ne comprenaient pas le message. Le message, peut-être on peut le considérer comme un discours de haine, etc. Mais en fait, si on le lit de manière positive, on voit que ce discours est plutôt un discours de plaisanterie. Et la question fondamentale, c'est quoi? C'est comment, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir un discernement entre ce qui est discours de plaisanterie, discours de haine, fausse information. Alors, par rapport à la fausse information, à mon avis, il faut opposer la fausse information à la vraie information. Et dans ce dilemme, qui détient la vraie information? Nous, on pense que c'est l'État qui détient la vraie information. C'est l'information officielle. Et normalement, l'information officielle étant reconnue comme étant l'information vraie, doit être opposée à la fausse information. Pour dire quoi? Pour dire que une fois, toutes les fois où il y a une fausse information, il faut l'opposer à la vraie information. Donc,
À mon avis, au Sénégal, durant les élections, on a vu beaucoup de citoyens qui ont été amenés en prison juste parce que on a pensé que c'était de la fausse information qu'ils véhiculaient. Alors, à mon avis, on ne doit pas mettre en prison un citoyen juste parce que on pense qu'il a véhiculé une fausse information. Il suffit juste de l'opposer à la vraie information. Et souvent, je sais pas, avec les acteurs des médias, on parle souvent de démenti, je ne sais pas quoi. Mais le concept approprié, je ne sais pas c'est quoi, mais il faut un démenti, juste un démenti pour qu'on ait le discours officiel qu'on oppose à la fausse information. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est sûr que la fausse information va se développer et va occuper le champ informationnel. Donc, il faut que, de l'autre côté, du point de vue institutionnel, qu'il y ait une ouverture et qu'on mette la vraie information à la disposition des citoyens. On va C'est justement ma poser première pensée. la question aux institutions, puisqu'on a plusieurs représentants d'institutions qui sont présents ici, et je vais me tourner vers Monsieur Blanchet, qui est le directeur d'Élections Québec, un organe de gestion des élections. Du point de vue d'un organe de gestion des élections, quelle tendance vous observez de désinformation en période électorale et quel impact de l'intelligence artificielle observez-vous sur la communication publique et politique en période électorale? Merci Bertrand, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu de notre expérience lors de la dernière élection générale provinciale au Québec qui s'est tenue quand même en octobre 2022. Donc, Élections Québec a mené une veille ou monitoring visant à détecter les informations fausses, trompeuses ou inexactes. Une analyse globale de la mésinformation pendant la campagne électorale a été conduite en parallèle par notre partenaire universitaire, donc l'Observatoire de l'écosystème médiatique de l'Université McGill. Notre analyse, toute comme celle de notre partenaire universitaire, a montré que la mésinformation a eu relativement peu d'impact sur notre élection. Un volume relativement important d'affirmations fausses ou inexactes a circulé sur les médias sociaux durant la campagne électorale et après, mais celle-ci est généralement demeurée concentrée au sein de communautés spécifiques dans des cercles très restreints. Par ailleurs, le degré de gravité de tous les incidents détectés par notre analyse était faible. La plupart des affirmations problématiques ciblaient le processus électoral ou les électeurs. Peu d'entre elles ciblaient notre institution, donc Élections Québec directement. Ces constats sont rassurants. Toutefois, nous ne devons pas tenir cela pour acquis, car le Québec n'est pas complètement à l'abri du défi de la désinformation en contexte électoral. Les élections sont des périodes particulièrement vulnérables à la désinformation. Comme vous le savez, l'organisation d'une élection exige la réalisation d'une série d'activités complexes à l'intérieur d'un calendrier très serré. Donc, les élections impliquent une diversité d'acteurs, l'embauche de plusieurs milliers de travailleurs électoraux temporaires et le déploiement de plusieurs milliers de lieux de vote sur l'ensemble du territoire. Cette complexité amène inévitablement son lot d'imprévus et d'incidents qu'on cherche à atténuer le plus possible, mais qui sont impossibles à éliminer complètement. Certains acteurs vont chercher à exploiter l'incertitude, cette incertitude. Donc, la libre circulation des idées et le respect de la liberté d'expression sont essentiels à la tenue des élections libres et justes. Mais toutefois, les discours qui cherchent à manipuler la perception des citoyens quant à l'intégrité du processus électoral ou qui nuisent à la qualité de l'information électorale peuvent entraîner des conséquences sur le bon déroulement du vote et l'exercice des droits électoraux. Les affirmations trompeuses qui nous préoccupent cherchent à discréditer le processus électoral dans son ensemble ou certains éléments de celui-ci. Ainsi, même si le discours trompeur n'influence pas directement le résultat d'une élection,
ils peuvent avoir des effets négatifs sur le processus électoral, la perception des électeurs ou l'intégrité de l'organisation en charge des élections, ainsi que sur la qualité des débats démocratiques. Par ailleurs, les discours trompeurs peuvent avoir des impacts sur l'exercice des droits électoraux en compromettant la qualité de l'information électorale et peuvent alimenter le cynisme et miner la confiance des électeurs envers le processus électoral. Ainsi, on doit s'assurer que l'information électorale qui circule est fiable en corrigeant les affirmations fausses et inexactes. La tâche n'est pas facile car les discours sont souvent ambigus et mélangent souvent le vrai et le faux. Ainsi, il peut être difficile d'informer correctement l'électeur sans alimenter la désinformation et jouer ainsi le rôle d'acteur mal intentionné. En dehors de la période électorale, donc depuis l'élection 2022, les équipes d'Élections Québec poursuivent leurs activités de veille et d'analyse afin d'identifier les nouveaux risques auxquels nous pourrions faire face lors des prochaines élections générales qui sont prévues le 5 octobre 2026. Nous sommes conscients que le développement de l'intelligence artificielle générative facilite la production de contenus trompeurs et risque d'accélérer leur diffusion. C'est une évolution qui nous préoccupe. Nous étudions les solutions qui sont adoptées ailleurs au Canada et dans le monde afin de retenir celles qui seront les plus appropriées pour notre contexte. Par ailleurs, nous travaillons actuellement avec un consortium de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de comprendre ses impacts potentiels sur les élections. L'objectif de ce partenariat est aussi d'utiliser le potentiel de l'intelligence artificielle de façon positive. Donc, on pourrait, par exemple, soutenir nos efforts de surveillance de l'intégrité de l'information électorale sur les médias sociaux ou encore détecter justement les fausses informations qui pourraient circuler. Donc, on veut utiliser le côté positif de l'intelligence artificielle pour nous aider. Bien sûr, on va surveiller aussi qu'est-ce qui va se passer cet automne lors des élections américaines. Et bien sûr, d'ici 2025, l'automne 2025, les élections fédérales au Canada. Donc voilà, c'était mon mot pour la première partie. Merci, Monsieur le Directeur. Je vais me tourner vers Madame l'ambassadrice de Moldavie et déléguée permanente auprès de l'OIF. Est-ce que vous avez le sentiment que l'intelligence artificielle, notamment au vu des élections qui s'annoncent en Moldavie bientôt, va avoir un impact sur nos élections et notamment sur l'intégrité de l'information? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que le fait qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est un fait reconnu par tous, mais la Moldavie a passé déjà par des processus électoraux très complexes depuis 2009. Et à ce moment-là, en avril 2009, on a eu déjà révolution digitale parce que après l'annonce du premier tour des élections parlementaires, la population, les gens se sont constitués, se sont mobilisés par les voies du média social pour protester et d'avoir des manifestations vraiment qui ont dégénéré d'une manière plus agressive. Et dommagement, jusqu'à maintenant, on n'a pas toutes les explications exactes de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais finalement, c'est très clair que pour la Moldavie, on a donné toujours la priorité à la liberté fondamentale et les droits, liberté d'exprimation. Et le plus grand défi est que jusqu'à maintenant, on a mis pour assurer un cadre normatif pour le mass media et pour les acteurs dans le domaine informationnel classique. Et ça se fait que pour les agents ou les parties constituant les acteurs comme la télévision, radio, on a prévu toujours, et il y a un code de service audiovisuel, mais pour tout ce que ça se passe dans le domaine digital, dans le domaine virtuel, on n'a pas assuré un cadre normatif adéquat, motif pour lequel pour nous c'est très clair qu'aujourd'hui,
Si à côté du, à la frontière de la Moldavie où on a une guerre militaire en Ukraine, dans le cas de la Moldavie où on a une guerre hybride et une guerre informationnelle. Et avec tout constat, on est arrivé sur le fait d'assurer la création de nouveaux centres de communication stratégique et de lutte contre la désinformation en décembre 2023. Mais encore une fois, on est arrivé dans un contexte complexe avec de nouveaux outils informatiques et avec une guerre informationnelle de plus en plus intense. Et dans ce contexte-là, les citoyens de la République de Moldova, mais aussi du monde entier, sont exposés à un défi clé, le choix de l'information et les informations vraies. Car pour tous, c'est très clair que l'information et la communication sont des valeurs fondamentales et on les a reconstruites jusqu'à maintenant, mais c'est le plus complexe de défendre et les valeurs et le contexte démocratique. Et aussi dans ce contexte-là où on a pris la décision d'adhésion au partenariat pour l'information et la démocratie, qui est intervenu aussi dans le contexte avant de la création de ce centre stratégique pour la communication et pour la lutte contre la désinformation. Pour l'instant, ce centre a un cadre très strict, normatif, mais ils sont aussi dans l'étape de constituer les nouveaux partenariats. Et ici, avec l'intelligence artificielle, c'est très clair que toutes les informations sont détenues par les gouvernements, mais par les agents privés qui sont les compagnies de l'Internet. Et ici, c'est le plus compliqué. Comment on assure le dialogue? Comment on assure le contrôle de cette information? Ou plutôt, comment intervient ici les règles éthiques jusqu'à où on met des frontières? Et l'évolution de l'intelligence artificielle et généralement de l'Internet est apparue qu'on a donné vraiment beaucoup de flexibilité aux compagnies de l'Internet. C'est par cela, dans mes anciennes fonctions comme ambassadrice auprès du Conseil de l'Europe et coordinatrice thématique pour la politique informationnelle, on a négocié la création d'une plateforme de coopération du Conseil de l'Europe avec les compagnies de l'Internet pour regarder ensemble comment on peut travailler ensemble. Et c'était à ce moment-là que j'ai eu cette sensibilité parce que c'est les représentants des compagnies, du business, qui ont reconnu qu'ils ont besoin d'un dialogue plus ouvert pour comprendre les possibilités, mais aussi les contraintes, et comment on peut assurer un cadre ou des limites. Et dans ce contexte-là est apparue la décision d'élaborer une nouvelle convention concernant les droits et les libertés, l'état du droit dans le contexte de l'intelligence artificielle. Finalement, on n'est pas encore, mais l'intelligence et avec tous les processus électoraux, ce sont déjà des réalités. Et c'est très compliqué quand on a des réalités, mais on n'a pas un cadre très strict. Et ici, parce que, par exemple, dans le cas de la Moldavie, si on intervient avec les mesures plus strictes, et les mesures plus strictes, ça signifie les restrictions. Et immédiatement, ici, intervient les débats que l'État a limité les libertés fondamentales. Et je crois que pour 41% de la population du globe entier pour cette année, ça serait vraiment un défi énorme pour tous les gouvernements et plutôt pour les structures qui vont gérer le processus électoral, soit commission électorale centrale, nationale, soit pour les représentants qui sont obligés de gérer les procédures de liberté d'expression, soit dans le média classique ou politique. Pour la Moldavie, c'est très clair pour cet instant que, il faut appliquer le cadre normatif national et international. Il faut avoir un dialogue avec les représentants des compagnies de l'Internet pour le sensibiliser avec les réalités, mais aussi avec les différentes interprétations.
Et le point clé, c'est l'éducation. Parce que si on a l'éducation forte du consommateur de l'information, si on a aussi les instruments nécessaires pour les pensées et les réflexions critiques, d'ici, on peut regarder aussi avec plusieurs influences. Mais finalement, le plus complexe aujourd'hui, on a une réalité très compliquée avec plusieurs acteurs, mais c'est très clair qu'il faut travailler ensemble pour assurer que le prochain processus électoral soit plus clair et dans les conditions plus transparentes. Merci Madame l'Ambassadrice, vous avez évoqué le Centre pour la communication stratégique et la lutte contre la désinformation qui a été mis en place récemment. On vous entendra tout à l'heure nous présenter peut-être de manière plus approfondie ce qui a été développé en Moldavie à travers ce centre. Je vais tout d'abord me tourner vers le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur René Bourgoin. Monsieur le Président, vu du régulateur des médias que vous êtes, comment avez-vous vu l'impact des réseaux sociaux et notamment de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux sur les médias traditionnels et notamment les médias audiovisuels que vous avez la responsabilité à travers votre autorité de réguler? Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Voilà. Merci, Monsieur Bertrand Levent. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur qu'il m'est fait d'avoir à intervenir dans ce panel de haut niveau. Vous m'accorderez 30 secondes pour faire part de choses purement personnelles. D'abord, j'interviens dans ce panel avec des sentiments mêlés. Je vais vous dire pourquoi très rapidement. La première raison, c'est que la Côte d'Ivoire a rendu ce matin un hommage national à un de ses dignes fils qui nous a quittés. C'est le président, l'ancien président du Conseil constitutionnel, donc qui a eu à intervenir longtemps, pendant plusieurs années, dans le processus électoral, qui était président du Conseil supérieur de la magistrature, un magistrat de haut niveau à la mémoire duquel je voudrais rendre hommage. La deuxième raison de ces sentiments mêlés, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Ma première petite fille, j'en ai pas deux. Elle a 2 ans aujourd'hui. Donc, je profite de cette lucarne pour lui souhaiter joyeux anniversaire. J'interviens au moment précis où se déroule sa fête, mais je suis tenu d'être là parce que je m'étais engagé à le faire. Je sais que ma pupusse va m'en vouloir, mais je saurai comment l'amadouer pour la suite. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Monsieur le Président, je me joins à vous et je parle au nom de tous les participants qui sont ici pour d'abord adresser nos condoléances pour la perte de l'ancien président de la Cour constitutionnelle et adresser nos vifs voeux de joyeux anniversaire à votre petite fille. Merci beaucoup, ça lui sera transmis. Alors, quand j'écoute les interventions qui viennent d'être faites, je me rends compte que la tâche du régulateur est véritablement difficile. D'abord, il ne s'agit pas de répondre à ce qui a été dit, mais juste de l'évoquer pour pouvoir situer les débats. J'ai entendu M. Diop dire que quelqu'un avait été mis en prison, avait été détenu parce qu'il avait dit des choses qui étaient de la plaisanterie, des sujets à plaisanterie. Il a été mis en prison, en détention pour cela. Et que, alors qu'il suffisait que l'État oppose la vraie information à ce qui constituait une fausse information éventuellement. Je dois dire que juste ça, pour ça, il est difficile d'avoir à démentir, et on le sait tous, d'avoir à démentir des fausses informations. Lorsqu'une fausse information est lancée, la vraie information a du mal à faire sa place. Pour ne même pas dire qu'elle a très peu de chances de faire sa place, à moins vraiment de traquer les fausses informations et de donner la vraie en face.
Ce n'est pas possible et personne n'ira chercher la vraie information après que la fosse a été lancée et la fosse a été enregistrée. Alors, au niveau de la désinformation, l'intelligence artificielle, nous en connaissons tous les bienfaits et nous en connaissons les méfaits également, les possibilités de désinformation. Et c'est là qu'il y a une vraie, mais une véritable difficulté. La difficulté, elle est simple. Je prends un exemple. Lorsqu'une fausse information est lancée, vous n'avez pas idée du nombre de personnes. Et il ne s'agit pas de la population simplement, mais même souvent de l'élite qui partage cette fausse information, ignorant qu'il s'agit d'une fausse information. Et c'est là qu'il y a un vrai danger. Récemment, j'ai vu qu'il m'avait été partagé une information selon laquelle, mais vraiment par des élites, hein, du pays, selon laquelle l'ONU avait voté un projet de loi. Non, l'ONU avait soumis à vote un projet de loi et que des pays, les pays qui se sont opposés à ce projet de loi contre le racisme étaient la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, enfin certains pays. Et puis c'est partagé. Alors, comment voulez-vous, dans un tel cas, opposer un démenti et puis dire, moi, j'ai d'abord dit à la personne qui m'a envoyé, aux personnes qui m'ont envoyé ce lien, je dis, fake, mes amis, fake. Un, l'ONU ne vote pas de loi. L'ONU ne vote pas de loi. Ce sont des résolutions qui sont votées. Deux, un pays des droits de l'homme qui a, comme la France par exemple, ne peut pas voter une résolution contre le racisme. Trois, le racisme fait l'objet, la lutte contre le racisme fait l'objet de traités internationaux déjà qui ont été ratifiés par nombre de pays. Ce n'est pas en 2024 ou en 2023 que l'ONU va soumettre ce document au vote de certaines personnes. Ayant dit cela, je pense être dans le vrai, mais en réalité, je n'en sais rien du tout. Mais par simple déduction, j'ai compris que c'était un fake. Vous me direz, si ce n'était pas un fake, je ferais mon mea culpa, mon mea maxima culpa. Alors, donc, vous voyez ce genre d'informations, et il y en a à profusion, les exemples sont légion. Quand nous avons affaire à ce type d'informations, imaginez tout ce qui peut être fait en matière électorale par des camps, tel camp ou tel autre, surtout dans un moment comme le nôtre, où l'Afrique, il est souvent, je dis souvent, ce n'est pas toujours vérifié, mais il est souvent de bonne guerre, de bon genre, de s'opposer aux puissances, aux États anciennement colonisateurs. Mon regard est très clair, la France notamment, etc. Principalement la France. Alors donc, je dis, il faut que nous trouvions un moyen pour combattre véritablement ce processus de désinformation, cette désinformation qui n'a pas de limite. Et nous savons tous que l'un des moyens envisagés, il y en a beaucoup d'autres, et ce webinaire est une occasion d'en parler, c'est véritablement l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, mais une vraie éducation aux médias et à la citoyenneté numérique. On en reparlera, mais je voulais déjà vraiment faire cette petite introduction et attendre qu'on aborde réellement le sujet. Merci. Merci, Monsieur le Président. On a bien vu pendant ce tour de table l'ampleur des enjeux, des défis qui se posent à nous face à aujourd'hui l'amplification des désordres de l'information qui eux-mêmes sont amplifiés par aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle. Afin d'approfondir cet enjeu, je vais passer la parole à Camille Grenier, le directeur des opérations du Forum Information et Démocratie, qui va nous présenter les grandes lignes de deux notes d'orientation et à travers laquelle ils ont produit des recommandations précisément sur l'intégrité de l'information et les élections, et d'autre part sur
l'intelligence artificielle et la préservation de l'intégrité de l'information. Camille, est-ce que tu peux nous partager les grandes lignes de ces deux publications récentes du forum? Je vais essayer de faire mon mieux. Merci beaucoup, Bertrand. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce webinaire et puis d'avoir des perspectives comme ça de différentes régions. C'est extrêmement enrichissant. Donc, en effet, au Forum sur l'information et la démocratie, on a publié déjà 5 rapports qui ont tous plus ou moins finalement trait à l'intégrité de l'information. Un premier sur vraiment la lutte contre la désinformation, un second sur la soutenabilité des médias et du journalisme. Le troisième sur les régimes de responsabilité, ensuite un sur le pluralisme de l'information, et puis le dernier sur l'intelligence artificielle. Et nos notes d'orientation, en effet, se basent assez largement sur ces différents rapports de recommandations de politique publique. Je vais juste, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, il y a plus de 400 recommandations très concrètes dans nos différents rapports, parfois c'est un peu trop. Je vais peut-être juste insister sur 3 points aujourd'hui. Tout d'abord, garantir la fiabilité et la pluralité des informations en période électorale. Ensuite, des mécanismes pour réduire la portée et les effets de la désinformation et de la mésinformation. Et puis enfin, ce qui est toujours très important, les mécanismes pour permettre un examen indépendant des efforts déployés. Sur le premier aspect, sur la fiabilité et la pluralité des informations en période électorale, ça a été plus ou moins dit. Je trouve qu'il y a ce qu'on a vu, en tout cas dans les précédentes élections, c'est que il y a beaucoup aujourd'hui des informations sur pas tellement les candidats, ça existe, mais aussi sur les modalités du vote. De dire par exemple de la désinformation sur les dates ou sur les inscriptions pour les élections, etc. Donc il y a un besoin, c'est une des recommandations de notre note, de promouvoir de façon proactive, et donc là notamment en travaillant avec les plateformes, les informations électorales vérifiées par les organes de gestion des élections qui soient indépendants. Et cela nécessite vraiment une coopération continue avec les plateformes en amont des élections. Et là, il me semble, avec le président Bourgoin, on l'avait évoqué quand j'étais allé en Côte d'Ivoire l'année dernière, mais qu'il y a un besoin aussi de renforcer les liens entre régulateurs, entre organes et plateformes, puisque bien souvent, ce lien est assez complexe ou s'il existe déjà. Deuxièmement, pour nous, c'est important de promouvoir aussi de façon proactive, quitte à donner une obligation de promouvoir la fiabilité de l'information, une obligation légale aux plateformes, de promouvoir les contenus journalistiques d'intérêt général. Et là, avec Reporters sans frontières, on a développé la Journalism Trust Initiative, désolé pour l'anglicisme, mais qui s'appelle l'Initiative pour la confiance dans le journalisme, qui est en fait l'idée d'un standard. Aujourd'hui, on se rend compte finalement que le journalisme indépendant de qualité, qui fait son travail de vérification des faits, est en concurrence directe avec tout type de contenu, avec les exemples qui ont été mentionnés plus tôt. Et nous, on pense qu'il faut donner aux plateformes une obligation de promotion de la fiabilité de l'information. Il faut aussi, et ça, on le voit surtout avec l'arrivée de l'IA, notamment l'IA générative, mais mettre en place des normes régissant l'authenticité, la provenance des contenus, le rendre visible à l'utilisateur afin de favoriser l'identification de contenus fiables. Là aussi, on a vu, mais souvent, comme toujours, ça arrive un peu tard, mais des initiatives notamment prises par les plateformes ou par les entreprises d'authentification du contenu généré par les intelligences artificielles. Il faut s'assurer que ça soit bien mis en place dans toutes les régions avec des mécanismes de suivi. Enfin, et ça c'est une des recommandations principales de notre rapport sur le pluralisme et le pluralisme des algorithmes notamment, il faut mettre en place des systèmes de recommandations alternatifs. Vous savez, la façon dont ces plateformes, les réseaux sociaux notamment, fonctionnent avec des algorithmes qui vont curer et faire des recommandations et qui vont faire qui vont travailler pour assurer votre engagement, pour optimiser votre engagement sur les plateformes. Il faut, et ça c'est quelque chose qui est en train d'arriver notamment en Europe, permettre différents systèmes de recommandations
et il faut donner un peu plus de liberté de choix aux utilisateurs pour avoir des systèmes de recommandation alternatifs. Sur le deuxième point, sur la réduction de la portée des effets de la désinformation et de la désinformation, quand on a travaillé sur ce premier rapport, on s'est notamment intéressé à ce qui existait, par exemple, sur les marchés financiers. Et quand il y a une valeur qui s'emballe sur certains marchés financiers, il y a, et là aussi je m'excuse pour l'anglicisme, mais un court-circuit, bon, j'ai réussi à trouver la traduction, un court-circuit pour finalement donner un petit temps de pause. Et ça, on trouve que c'est assez intéressant quand il y a un buzz, quand il y a une information qui devient extrêmement virale, d'instaurer un mécanisme de court-circuit pour prendre le temps d'éviter une amplification algorithmique qui va distordre en quelque façon l'espace informationnel. Il faut aussi, dans un second temps, adopter une approche ciblée intégrant les retours des utilisateurs, les réexamens en temps opportun et avoir des mécanismes de rétroactifs pour freiner la diffusion virale de la désinformation. Ça a été dit, c'est vrai que une information qui est fausse, c'est très difficile de lutter contre elle. C'est très difficile d'aller remettre de la vérité quand on est dans un système qui promeut finalement le sensationnalisme, la rumeur, la propagande, etc., etc. Enfin, il y a tout un champ de travail sur la publicité politique et ce qu'on a le ciblage, le micro-ciblage des utilisateurs. Et ça, où on appelle, et là, il y a vraiment un gros travail à faire, notamment par les régulateurs sur les élections, avec des mécanismes d'étiquetage sur les publicités politiques, vérifier, et il y a tout un pan aussi de travail sur la protection des données personnelles, et comment est-ce qu'on assure que les régimes de données personnelles puissent éviter, la protection des données personnelles puisse éviter ce micro-ciblage. Et ainsi démonétiser la désinformation. Troisième point, comme je disais, puis après je m'arrêterai là, c'est important d'avoir des mécanismes de suivi des politiques publiques qui sont mises en place, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Et donc là, nous, ce qu'on recommande, c'est notamment de publier les règles et conditions d'utilisation, de fournir des rapports réguliers sur les opérations de recommandation et sur les systèmes de modération. Accroître de manière générale la transparence, puisque finalement il y a de plus en plus de choses qu'on sait sur la façon dont l'espace informationnel fonctionne. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et puis on voit qu'il y a une sorte de mouvement de se dire, bon, certains outils, par exemple, comme sur Meta, CrowdTangle, Meta aujourd'hui est en train, qui permettait à des chercheurs et aussi à des experts de la société civile d'aller voir ce qui se passe sur Facebook et Instagram. Facebook a pris la décision assez récente de mettre fin à ce programme, ce qui voilà, va encore apporter de l'opacité sur la façon dont fonctionne cet espace. Il y a un besoin, et ça, la chance au sein de l'Union européenne d'avoir fait des progrès là-dessus, mais de permettre aux chercheurs agréés de conduire des évaluations expérimentales afin de mieux comprendre et vérifier le fonctionnement et l'impact des algorithmes. Et ça, il faut réussir à le généraliser aussi dans d'autres régions à travers le monde. Et puis, peut-être une dernière recommandation spécifique sur les entreprises d'intelligence artificielle, qui est de mettre en place un processus inclusif et participatif, prévoyant au minimum une participation équitable, durable et substantielle de chercheurs indépendants, de la société civile et des communautés concernées, afin de définir ensemble les règles et les critères pour développer des systèmes d'IA. On a vu sur les premières expérimentations les biais qu'il pouvait y avoir, qui sont notamment issus des jeux de données sur lesquels sont entraînées les intelligences artificielles. Et tout ça, il faut pouvoir réussir à le modérer, et ce qui permettra d'assurer là aussi la provenance et la curation des données, l'étiquetage humain, etc., etc. Voilà, je m'arrête là. C'est déjà finalement quelques chantiers qui sont assez importants. Et puis, on refera peut-être circuler les différents rapports. Vous pourrez ainsi aller piocher et en apprendre un peu plus sur l'ensemble de nos recommandations. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, cher Camille, et merci pour la synthèse de ces recommandations qui sont riches et qui rejoignent aussi
plusieurs des constats et de recommandations que l'OIF a elle-même pu faire, comme d'autres organisations internationales, à l'endroit des efforts de régulation des plateformes numériques à accomplir, notamment dans le cadre récemment de la publication par l'UNESCO des principes de gouvernance des plateformes numériques, ou par ailleurs le débat qui est en cours sur l'élaboration d'un code de conduite des Nations Unies pour l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques. Je voudrais rappeler aux participants et à ceux qui nous suivent qu'ils ont la possibilité de poser des questions. Nous aurons un moment d'échange à la fin de cette discussion. Je voudrais maintenant aborder avec les intervenants et me tourner vers Madame l'ambassadrice sur les solutions. Vous avez évoqué tout à l'heure la mise en place depuis l'été 2023 du Conseil pour la comité pardon pour la communication stratégique et la lutte contre la désinformation en Moldavie. Est-ce que vous pourrez nous présenter quels sont les contours et les missions de cet organe, de cette institution qui a été mise en place récemment? Oui, tout d'abord, comme j'ai mentionné, c'est un centre de communication stratégique et de lutte contre la désinformation. On les avait mis en place au mois de décembre 2023. Et pour l'instant, il y a beaucoup de travail vraiment très technique pour fixer, pour établir le fonctionnement. À commencer avec le règlement d'activité. Et déjà, pour l'instant, ils sont dans le processus du recrutement du personnel. Mais un des tâches où finalement le plus important, c'est vraiment la modalité de fonctionnement de ce centre et comment ils vont fixer et leur modus operandi en relation avec les institutions étatiques, mais de l'autre côté, ils seront l'institution principale d'établir une communication, mais aussi de saisir les plateformes numériques concernant les fausses informations et la désinformation concernant la Moldavie. Ça marche un peu sur ce fonctionnement d'après le modèle français du ARCOM, on a constaté qu'il y a une grande différence entre les grands pays et les petits pays et la modalité qui et comment on fixe cette connexion de communication. De l'autre côté, pour le centre, ils vont être dans l'étape d'établir un modèle de coopération et de coordination avec les institutions publiques centrale, mais aussi locale, pour développer, pour assurer cette communication stratégique. Mais ça va assurer aussi la gestion des informations et plutôt les informations qui vont passer par ce processus de désinformation. Aussi, ils vont élaborer, vont coordonner un mécanisme pour partager les informations nationales et plutôt les narratives nationales, tenant compte des informations avec le caractère national. Normalement, on espère qu'ils seront aussi impliqués dans ce narratif pour l'organisation du référendum national sur l'intégration européenne, parce que pour nous, à la fin du mois d'octobre, on va avoir les élections présidentielles et un référendum sur l'intégration européenne. Mais l'été 2025, on va avoir les élections parlementaires. On est d'un processus électoral à l'autre. Et comme l'automne 2023, on a eu les élections locales, on a constaté aussi déjà là-bas beaucoup de désinformation et la modalité de fonctionnement, motif pour lequel le centre maintenant va avoir cette implication et ce rôle d'assurer qu'il y a des informations avec le caractère national et il faut que cette information soit prise en compte pour éviter la propagation des informations incorrectes ou avec un faux caractère.
Dans ce contexte-là, ils vont recommander, ou plutôt ils vont avoir le droit de recommander aux institutions publiques comment ils peuvent partager ou centraliser les analyses. Et ils vont avoir aussi la capacité d'observation, l'observation des informations sur les différents réseaux sociaux. Et dans le cas nécessaire, ou plutôt dans les situations de crise, ils vont avoir le droit de soutenir ou l'option de soutenir soit les institutions, soit une institution à partager plusieurs informations. Aussi, ils vont avoir la capacité d'établir des coopérations internationales. Et je crois que sur ça, on se base énormément parce que d'un côté, pour nous, c'est une partie de désinformation, c'est très clair d'où elle vient et le contexte dans lequel se passe. Et ici, les coopérations au niveau européen, au niveau international, c'est très important. Plutôt aussi au niveau de partage de différents mécanismes et plutôt sur la modalité d'observation et d'intervenir. Ici, quand même, quand on parle des informations sur les réseaux sociaux, quand même, il y a des mécanismes différents. Et ici, ça suppose énormément de capacités pour identifier les algorithmes qui sont utilisés et la modalité duquel sont utilisés. Et le plus complexe qu'on ne peut pas déterminer, il n'y a pas un critère très clair de déterminer le fonctionnement des algorithmes. Et d'ici, le partage des informations entre les différentes institutions avec le même caractère, ça soit vraiment très important et on espère qu'on est dans cet espace. Et de même façon, le centre va avoir aussi la capacité et le rôle d'assurer la balance ou l'intervention pour introduire des corrections informationnelles. Je vous remercie, Madame l'Ambassadrice, pour toutes ces précisions très précieuses, cette expérience récente, finalement, puisque c'est décembre 2023, vous le notiez, pas l'été, donc c'est encore plus récent. Merci beaucoup pour ces informations précieuses et cette pratique, bonne pratique développée par la Moldavie pour tâcher de prévenir les désordres de l'information, y compris en période électorale. Et vous avez précisé les prochaines échéances qui vont se présenter pour la Moldavie, je tenais à vous remercier pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je sais que vous avez des obligations qui vont vous obliger à nous quitter plus tôt. Donc, je tenais à vous remercier pour votre présence et le partage précieux de l'expérience moldave. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Je vais me tourner vers le président de la ACA, Monsieur Bourgoin. Du point de vue du régulateur et de la ACA, quelles sont les solutions que vous avez développées en Côte d'Ivoire et comment vous voyez évoluer vos missions et vos mandats face à la préservation de l'intégrité de l'information en ligne? Et aussi, est-ce que vous pourriez nous partager quelques mots sur les initiatives qui sont développées par le réseau francophone des régulateurs des médias que soutient l'OIF, donc le REFRAM? Merci beaucoup. Cela fait beaucoup de questions, donc vous me pardonnerez d'être un tout petit peu long, mais je saurai refréner mes ardeurs au niveau de la parole. Voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, nous avons pris des initiatives dans le domaine. La toute première d'entre elles a été d'élaborer un avant-projet de loi qui s'est transformé en projet de loi, puis en loi. En décembre 2020, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté une loi très importante qui était un peu dans la suite de
du Digital Service Act, donc la législation sur les services numériques, puisqu'il faut parler français. Je suis l'ambassadeur du REFRAM ici. Donc, d'abord, je ne comprends pas bien anglais, et ensuite, en tant qu'ambassadeur, entre guillemets, du REFRAM, je parlerai uniquement français sans prononcer un seul mot d'anglicisme ou quoi que ce soit. Alors, donc, nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, initié donc cette loi. Et la loi, il faut que je vous en dise un mot très rapidement. Il y a un article de cette loi qui prévoit, je vais retrouver cet article, qui est très important, qui dit ceci: la diffusion de contenu audiovisuel de toute plateforme de blogueurs, activistes ou influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu'énoncés à l'article 3 de la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Et cette loi, évidemment, fait état de par les principes généraux évoqués, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, la violation de la propriété d'autrui, l'atteinte à la souveraineté nationale et incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence. Cette loi, la disposition de cette loi, la disposition que je viens d'évoquer, n'a pas été critiquée, ne pouvait pas l'être, pour une raison très simple. On a pu penser que c'était une atteinte à la liberté d'expression, mais on a très vite compris qu'il n'en était rien parce que la correspondance privée, la communication audiovisuelle, c'est le contraire de la correspondance privée, c'est tout ce qui n'est pas correspondance privée. Et nous avons estimé qu'un acteur du net qui a plus de 25 000 abonnés, appelons ça comme ça, il y a d'autres expressions, followers, etc. 25 000 abonnés, et qui partage des correspondances, qui échange avec ces 25 000, ces 25 000 personnes, on ne pouvait pas considérer ces échanges-là comme étant de la correspondance privée. Quand des journaux tirent à 5 000 exemplaires, à 10 000 exemplaires, et un blogueur, par exemple, à 100 000, 200 000 abonnés, ce n'est pas de la correspondance privée. Nous avons simplement souhaité que cette personne-là, cette catégorie de personnes, donc ayant plus de 25 000 abonnés, soit la diffusion de leur contenu en ligne, soit simplement soumise aux principes généraux de la communication audiovisuelle, tels que je les ai énoncés. Simplement soumise. Donc, ces personnes-là, à partir du moment où elles avaient un tel nombre d'abonnés, qu'on ne pouvait pas considérer les contenus diffusés comme de la correspondance privée. C'était aussi simple que ça. Donc, ça nous a permis déjà de encadrer, c'est pas le mot, mais d'avoir un œil sur le contenu, sur ce contenu-là. Alors, on pouvait penser qu'une fois cette loi votée, promulguée, etc., la ACA, donc le régulateur que je suis, allait s'en prendre en masse à ces acteurs du net. Il n'en a rien été. Au contraire, nous les avons réunis, nous avons dit, la loi a été votée, voici ce que nous allons faire. Venez, on organise une table ronde. Au cours de cette table ronde, nous appellerons le procureur de la République pour qu'il vienne en tant que juriste, en tant que juriste, en tant que membre d'une juridiction de poursuite, pour qu'il vienne expliquer la responsabilité encourue par vous et les infractions, entre guillemets, qui peuvent être commises dans le cadre de votre activité. La table ronde a eu un grand succès. Le procureur de la République d'alors a expliqué ce qu'il devait expliquer et tout cela a été bien compris, bien entendu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous sommes allés au-delà. Nous avons dit, au-delà donc de cette compréhension des infractions de la responsabilité encourue, nous vous proposons d'élaborer une charte des réseaux sociaux qui allait évoquer des principes que vous vous donneriez vous-même. Nous l'élaborons, nous élaborons le draft, on vous le donne,
vous le modifiez comme vous voulez, vous l'adoptez. Et c'est ce qui a été fait. La charte des réseaux sociaux a été élaborée, partagée, discutée, et 3 mois après, elle a été adoptée. Elle a fait l'objet d'une signature officielle adoptée par la plupart des acteurs du net. Et donc, cette charte des réseaux sociaux est une avancée notable. Nous avons remarqué que depuis son adoption, et sa signature d'ailleurs est matérialisée par un document intitulé Attestation de responsabilité numérique, avec le nom de la personne qui signe et tout cela. Donc, ça a été un point très positif parce que nous avons constaté une sorte comment dire ça, de calme dans le climat général des réseaux sociaux. Évidemment, les acteurs du net peuvent dire ce qu'ils veulent dire, etc. Mais ayant eu connaissance de ce qui constituait réellement une infraction pénale, parce qu'ils ne savaient pas au départ ce que c'est une infraction pénale, ils ne savaient pas au départ qu'on pouvait être poursuivi pour diffamation. Donc chacun disait des choses. Voilà, j'ai eu des relations, mais vraiment être assez cru, j'ai eu des relations sexuelles avec telle personnalité connue, etc. Mais c'était faux et archi faux. Et même quand bien même ce serait vrai, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut le dire, mais parce que c'est une atteinte à l'intimité de la vie privée. Et là, le tribunal vous condamne, quand bien même vous pourriez rapporter la preuve de la véracité de ce que vous dites. En droit, c'est clair. Il y a le domaine de l'intimité de la vie privée qui n'est pas susceptible de soutenir la preuve de la véracité de l'information. Donc, tout cela a permis aux gens de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ça, c'est une initiative très importante également qui a été prise et qui, d'ailleurs, semble-t-il, fait tache d'huile au niveau d'autres pays. Alors, nous avons, en plus de cela, organisé des rencontres avec les grandes plateformes en ligne, deux d'entre elles notamment, Meta et Google. Nous les avons rencontrées, nous sommes allés chez eux, chez elles, puisqu'il s'agit des plateformes, discuter avec elles, voir dans quelle mesure nous pouvions collaborer, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions de suspension de tel ou autre, de dire on ne veut plus voir telle personne sur les réseaux sociaux, etc. Non, on n'en a pas le pouvoir d'ailleurs. Donc, discuter avec ces plateformes, et ces discussions ont abouti à une sorte de modus operandi qui existe. Mais nous, vous avons voulu que les choses soient communes à l'ensemble des régulateurs. Donc, au cours de nos rencontres, nous en faisons état. Et comme c'est une préoccupation majeure de tous les régulateurs du monde entier, à Abidjan, je vous donne l'information, les 23 et 24 avril, il y aura une conférence internationale, dite conférence internationale d'Abidjan, dont le thème est pour un dialogue renforcé entre les régulateurs membres du RIARC, c'est le réseau des instances africaines de la communication, et du REFRAM, avec les plateformes, les grandes plateformes en ligne, sur le continent africain et dans l'espace francophone. Le continent africain, c'est le RIARC, l'espace francophone, c'est le REFRAM. Donc, cette grande conférence internationale se tiendra aux dates que j'ai indiquées, 23-24 avril, et devrait aboutir à la signature de deux documents importants. Si je voulais être grandiloquent, je dirais historique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier document, c'est une déclaration commune des deux grands réseaux de régulateurs, REFRAM et RIARC. Une déclaration dans laquelle seront dites certaines choses. Et puis, le deuxième document, c'est un protocole d'engagement volontaire signé par les grandes plateformes elles-mêmes, Google, Meta, Google, Twitter, X, non, pardon, X et TikTok. Donc, ces grandes plateformes vont signer un protocole d'engagement volontaire dans lequel elles affirment, elles réaffirment certaines choses et s'engagent à certaines choses. Donc, ce sont des documents
qui auront une valeur historique certaine. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est bientôt à Abidjan. Donc, ce sont ces initiatives-là que nous prenons. Nous tenons à être au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'AK, vraiment à la pointe de ce combat-là, de cette lutte et de cette entente, parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre. Il faut vraiment qu'il y ait une adhésion et un consensus de tous pour pouvoir lutter contre la désinformation avec ces déclinaisons, cette désinformation rendue plus dangereuse encore par le fait de l'intelligence artificielle générative, avec le phénomène des deepfakes. Nous arrivons dans des moments de campagne électorale. Il sera très difficile de lutter contre les deepfakes parce qu'on entendra, on verra une personnalité politique, un candidat sortant, enfin un président sortant face à un autre candidat, affirmer des choses, mais qui n'ont jamais été prononcées, tout simplement par le fait de l'intelligence artificielle. Alors il faut lutter contre tout ça, il faut se prémunir de ces dangers à venir. Voilà ce que je peux dire pour l'instant là-dessus. Je suis prêt à préciser certaines choses si vous le souhaitez. Merci. Merci, Monsieur le Président. On a un participant, quelqu'un qui assiste au webinaire, qui serait intéressé de pouvoir consulter le texte ainsi que la charte que vous avez évoquée. Je suppose, en le lisant, que cet internaute est ivoirien et qu'il est intéressé à mieux connaître les textes qui ont été évoqués. Vous avez évoqué justement la coopération avec les plateformes et les initiatives dont on vous félicite à travers vous pour le REFRAM d'encourager et de concrétiser ce dialogue nécessaire avec les plateformes. C'est un point qu'a noté l'ambassadrice aussi de Moldavie. Je voudrais me tourner vers le directeur d'Élections Québec, Monsieur Blanchet. Comment justement cette coopération avec les plateformes numériques peut-elle aider à amplifier du contenu fiable sur les élections et à lutter contre la désinformation? Et je me permets, de la même manière que je l'ai fait avec Monsieur Bourgoin, quelles solutions élabore le RECEF, le réseau dont vous êtes le secrétaire général, en matière de lutte contre la désinformation? Merci. Donc, je vais vous parler en gros de ce qu'on fait ici à Élections Québec quand même. Donc, on a identifié une série de mesures qui visent à assurer l'intégrité de l'information électorale et à réduire le plus possible l'impact des affirmations fausses ou trompeuses sur le processus électoral. Ces mesures se répartissent en quatre grandes orientations. Donc, notre première orientation vise à améliorer l'état de préparation de notre institution. Donc, les mesures qui sont mises en œuvre ont comme objectif d'améliorer notre compréhension du phénomène. Elles visent à renforcer notre capacité de détection des affirmations fausses ou trompeuses sur le processus électoral et surtout à s'assurer que nous soyons en mesure de réagir rapidement et adéquatement. La seconde orientation vise à prévenir le recours à la désinformation en contexte électoral, c'est-à-dire à évaluer la pertinence de possibles adaptations du cadre législatif aux nouvelles réalités si nécessaire. Notre troisième orientation comprend des mesures qui veulent réduire la vulnérabilité des populations à la désinformation, notamment par le biais d'initiatives d'éducation à la démocratie. Et finalement, notre quatrième orientation, vise à accroître la transparence en rendant le plus de données accessibles au public, en particulier celles qui concernent des sujets qui sont les plus susceptibles d'être mal compris par les citoyens ou d'être l'objet de désinformation. Parallèlement à ça, la protection du processus électoral ne peut être uniquement l'affaire de l'organisation, de l'organisme qui gère les élections, dont le mandat, les compétences et les capacités sont circonscrits par la loi électorale. C'est pourquoi il faut établir des partenariats avec d'autres acteurs publics, avec des organisations de la société civile, tout en maintenant notre indépendance, notre neutralité et notre impartialité. L'institution qui est Élections Québec a établi des liens avec les grandes plateformes afin de les importer, les informer des dates de scrutin et de faciliter le signalement de contenus qui contreviennent à la loi électorale, notamment. Ces plateformes jouent maintenant un rôle central dans la circulation de l'information et peuvent faciliter la transmission de contenus fiables. Il est donc essentiel d'établir des contacts avec elles
mais il demeure difficile quand même d'avoir leur pleine collaboration. On comprend qu'on n'est pas les seuls au monde à vouloir avoir de la collaboration des grandes plateformes. En somme, nous devons adapter nos façons de faire afin d'intégrer cette nouvelle réalité, nous assurer de développer les compétences et nous doter des outils appropriés pour y faire face. Il faut nouer des liens avec des institutions qui font face à des défis similaires aux nôtres, échanger nos expériences respectives afin d'adopter les pratiques les mieux adaptées à notre contexte. Donc, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit très bien dans nos orientations. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du réseau de compétences électorales francophones. Donc, les enjeux de communication et de désinformation sont des sujets d'intérêt pour les organismes de gestion des élections. Nous avons d'ailleurs collaboré avec l'OIF sur différents projets dans les dernières années. L'état de situation et les enjeux en matière d'environnement médiatique, d'information sur les élections et de désinformation potentielle sont très variés d'un pays à un autre. Dans cet univers, les cultures nationales, l'écosystème médiatique et les différentes langues nationales peuvent apporter des défis différents pour les organismes de gestion des élections des divers pays. Il faut conclure qu'il n'y a pas une solution unique. Néanmoins, nous croyons grandement à l'idée de partenariat avec les autres composantes de l'écosystème média et de la société, principalement durant une campagne électorale. Dans un premier temps, nous pensons aux régulateurs de médias, aux médias qui réalisent la vérification des faits ou encore des organismes de la société civile qui font de l'éducation civique et démocratique. En octobre prochain, l'ORSF réalisera un séminaire électoral international sur cette thématique, donc la manipulation de l'information au cours du processus électoral à l'ère des médias numériques et réseaux sociaux, stratégie des organismes de gestion des élections. Donc, à ce séminaire, nous joindrons également une journée de formation afin de permettre aux organes de gestion des élections de bien s'outiller pour favoriser la circulation d'une information de qualité et minimiser l'impact de la désinformation et des messages haineux. L'OIF et le réseau francophone des régulateurs des médias, donc l'OREFRAM, seront assurément des partenaires importants pour faire de cet événement un succès. Donc, en espérant vous y voir, donc merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci, Monsieur le Directeur et Monsieur le Secrétaire Général du RSF. Vous êtes exprimé à une double casquette et merci pour avoir partagé l'expérience du Québec sur à la fois la prévention, le dialogue avec les plateformes, mais également les ambitions du RSF aussi sur le sujet de la prévention et de la lutte contre les désordres de l'information en période électorale. Évidemment, l'OIF se tiendra aux côtés du RSF pour partager, contribuer aux efforts de votre réseau sur l'aspect de la lutte contre la désinformation en période électorale. Je vais me tourner pour ce tour de table sur les solutions vers Monsieur Diop, le président de Jonction au Sénégal, pour avoir justement son apport ici dans la discussion sur les solutions qui peuvent être du point de vue de la société civile développées pour encadrer l'intelligence artificielle pendant les élections et notamment celles qui sont portées par la société civile en matière d'éducation aux médias, voire de vérification des faits, pour ne pas dire fact-checking. Merci, Bertrand. Je pense que là, nous sommes en train d'aborder un thème un peu complexe, la régulation des réseaux sociaux, la régulation de l'intelligence artificielle. Au Sénégal, durant le processus électoral, nous avons eu des troubles sociaux et politiques et les réseaux sociaux ont posé un grand problème à l'État du Sénégal. Et au lieu de réguler les réseaux sociaux parce que le gouvernement n'avait pas le contrôle sur les réseaux sociaux, la solution radicale qui a été adoptée, c'est de couper l'Internet. Vous voyez, donc c'est peut-être une solution de régulation ou de répression ou de restriction, couper l'Internet. Et je pense que la plupart des pays africains n'ont pas de contrôle sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi, dans certains contextes, ils sont obligés de couper l'Internet.
pour préserver, dit-on, la sécurité publique, l'ordre public, etc. Je pense que au niveau africain que je connais, ce serait très difficile de réguler, à mon avis, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Et je pense qu'au niveau de la société civile, ce qu'il faut, c'est plutôt une sensibilisation. Hein. Il faut une grande sensibilisation et une éducation au numérique, notamment de commencer à introduire des modules dans le circuit scolaire pour pouvoir éduquer les jeunes sur l'usage du numérique. Parce qu'en définitive, ce qu'il y a, c'est un problème d'usage du numérique. Parce que si on prend l'intelligence artificielle, par exemple, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de l'humain. Et je pense que, comme je le disais quelque part, c'est l'intelligence humaine qui a produit l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il faut réguler l'intelligence artificielle ou réguler l'intelligence humaine? C'est une problématique. À mon avis, l'outil en tant que tel même propage la fausse information, la désinformation, et surtout en période électorale. Est-ce qu'il faut interdire l'outil ou non? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut. Moi, je suis un militant de la liberté d'expression. Alors, pour moi, cette question de régulation des réseaux sociaux est très complexe. Si on prend le cas du Sénégal, le gouvernement a voulu mettre en place une loi pour réguler les réseaux sociaux, mais la problématique, c'est que nous n'avons pas une souveraineté numérique. Et vous avez une diaspora sénégalaise à l'étranger qui peut intervenir à partir de l'étranger et impacter sur l'opinion sénégalaise. Et c'est ce qui s'est passé durant le processus électoral. Il y a eu beaucoup de répression, beaucoup d'emprisonnement de jeunes qui utilisaient les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que c'est les jeunes de la diaspora qui intervenaient directement sur l'opinion sénégalaise à partir des réseaux sociaux. Et le gouvernement ne pouvait pas atteindre cette diaspora parce que bon, n'est pas si on peut dire sous l'autorité juridique du Sénégal. Alors ça, c'est une problématique au niveau africain. Parce que si vous régulez au niveau national, oui, mais votre diaspora qui est à l'extérieur intervient au niveau national et impacte sur l'opinion et oriente souvent l'opinion. Et ça, c'est un problème au niveau de beaucoup de pays africains et qui les pousse, dans certains cas, comme je le disais tout à l'heure, à plutôt couper l'Internet. Et même au niveau Sénégal, nous avons vu durant le processus électoral, au niveau de l'audiovisuel, une télévision a été suspendue et son signal a été coupé. Parce que, bon, je ne sais pas comment ils ont fait au niveau des régulateurs, mais ils n'ont pas pu intervenir en termes de régulation pour, je ne sais pas, empêcher peut-être la diffusion de fausses nouvelles ou ce qu'ils pensent que c'est de fausses nouvelles par rapport à cette télévision. Et cette télévision, son signal a été coupé, tout simplement. Et ça pose beaucoup plus de problèmes que de solutions. La coupure des réseaux sociaux ou la coupure de l'audiovisuel. Et à mon avis, il faut mettre l'accent, un, sur la sensibilisation et deuxièmement, sur l'éducation au numérique et test. Quelles sont nos propositions en tant que société civile? Merci. Merci, merci Monsieur Diop pour les solutions. Évidemment, on est d'accord avec vous sur la nécessité de développer la sensibilisation et de la massifier même en matière d'éducation, notamment en période électorale. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Je voudrais quand même laisser la possibilité à ceux qui nous suivent et qui ont posé des questions, et on les remercie de pouvoir réitérer certaines de leurs questions. Et je voudrais faire un dernier petit tour de table autour de deux questions qui ont été relayées. D'abord, une première question qui vient du Cameroun et qui rejoint un des constats qu'a fait Monsieur Diop. Ne pensez-vous pas que la solution à moyen terme dans le contrôle de l'information serait le développement par chaque pays ou chaque regroupement sous-régional de leur propre système d'intelligence artificielle afin d'aboutir à une sorte de souveraineté technologique de la gestion informationnelle
Ça, c'est une première question que je soumets aux différents intervenants d'aujourd'hui. Et une autre question qui a été posée par Caroline Wilmain, qui dirige la Fédération Hirondelle, qui crée donc soutien des médias en contexte fragile, notamment qui couvre des processus électoraux. Sa question porte sur comment faire face aux courants religieux qui influencent les opinions et font basculer des votes et élections, sans forcément utiliser les réseaux sociaux, en faisant appel aux communautés pardon, réelles et en personne. Les organes de gestion des élections ou de régulation prennent-ils contact avec ce type d'acteurs? Voilà, c'est peut-être une question à l'endroit des deux régulateurs présents, celui des médias et celui de gestion des élections. Je serais intéressé de les entendre. Et si on a un peu de temps, on reprendra encore une question, mais je voudrais vous soumettre ces deux questions. Et on peut commencer peut-être par l'un des deux régulateurs sur la dernière question qui vient d'être posée, Monsieur Bourgoin. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez reprendre cette dernière question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je la résume. C'est une question Oui. sur le rôle que peuvent avoir les courants religieux et d'opinion en période électorale. Et est-ce qu'il y D'accord. a un dialogue qui intervient de la part des institutions actives dans les Merci. processus électoraux? Nous savons que dans nos pays africains, la religion occupe une place souvent centrale. Et dans des pays comme le Sénégal notamment, cette place-là est véritablement prépondérante. Mais il y a une observation à faire. Je ne suis pas sénégalais. Monsieur Diop pourra confirmer ou infirmer. Mais j'ai eu le sentiment, pour avoir suivi un tout petit peu la campagne électorale, j'ai eu le sentiment que lors des dernières élections présidentielles, justement, le candidat élu ne s'est pas fait adouber, entre guillemets, par les chefs religieux. Je peux me tromper, il le confirmera ou pas. Donc, si c'est exact qu'il ne s'est pas fait adouber par le chef religieux, tout en étant, bien sûr, très religieux lui-même, cela veut dire que le rôle de la religion dans nos démocraties doit être peut-être plus nuancé. Nous devons nuancer cette importance, l'importance de la religion dans le choix de nos gouvernants. Alors, c'est ce que je pourrais dire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la question ne se pose pas. La religion est certes prépondérante ici, mais les courants religieux, la diversité des courants religieux, même s'il y a deux principales religions, la religion musulmane et la religion chrétienne, mais la diversité des courants religieux est telle qu'il n'y a pas vraiment d'impact à ce niveau-là. C'est sur d'autres choses que ça peut se jouer, mais pas sur la religion. Voilà. Je ne sais pas Merci, si Monsieur j'ai Bourgoin. répondu à la Monsieur... question. Très bien, merci. Monsieur Blanchet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le dialogue avec les représentants de courants religieux ou d'opinion? Je vais y aller plus du côté des opinions, étant donné que religieux, on est peut-être moins dans ce que. Ça a déjà été à une certaine époque au Québec un dossier, mais maintenant c'est moins d'actualité. Faut commencer par dire qu'Élections Québec, en tant qu'organisme qui gère les élections, ne s'immisce pas dans les groupes sur la place publique. Donc, nous, notre rôle par rapport à la désinformation, c'est de s'assurer que le processus électoral, donc nos opérations, ne soient pas visées par de la désinformation. Et on ne commence pas à analyser tout ce qui se passe sur la place publique entre les différents partis ou les différents groupes d'informations politiques. Et d'essayer de réguler, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On s'en tient à tout ce qui touche au processus électoral en tant que tel. Donc, les lieux de vote, les heures de vote, le matériel utilisé pour voter, comment se fait le dépouillement. Donc, on est à surveiller juste ces opérations-là. Le reste, sinon, c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se dit sur toutes les partis politiques. Et encore moins d'évaluer la véracité ou de ce qui se dit. Et là, en faisant ça, si on s'immisce dans ce champ d'activité, on va se trouver à faire une certaine forme de politique en même temps. Donc, en jugeant le contenu des partis politiques ou en disant ça, c'est une fausseté, ça, c'est vrai, on va tomber dans le piège et notre côté neutralité par rapport au débat politique, on doit le conserver. Donc, on ne joue pas dans cette sphère, que ce soit les groupes d'opinion
parce qu'on pourrait dire maintenant les environnementalistes, c'est les gauchistes, peu importe le courant, on s'immisce pas à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, sinon on va se trouver à faire de la politique nous-mêmes alors qu'on ne veut pas en faire. Donc, voilà, on s'en tient simplement à réguler ou à surveiller tout ce qui touche le processus électoral. Donc, s'il y a des faussetés, exemple, vous devez utiliser un stylo pour faire votre X pour votre candidat. Si ce n'est pas ça qui est prévu dans notre loi, ben là, on va sortir, on va dire, vous devez utiliser le crayon qui a été remis par le secrétaire de bureau de vote. Donc, on affirme les faits réels par rapport à ce qu'on a du contrôle, pas les partis politiques et les groupes de la société civile. Merci, merci pour cette précision et cette perspective vue du Québec. Monsieur Diop, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant cette question et peut-être aussi répondre à cette proposition hein, finalement qui fait écho à l'un de vos constats que vous partagiez plus tôt sur le développement d'une intelligence artificielle propre à chaque région, continent pour garantir une sorte de souveraineté technologique? Ah, merci beaucoup. Pour la première question, je confirme ce que disait tout à l'heure le président René. Effectivement, au Sénégal, la religion est vraiment présente et les chefs religieux ont une certaine autorité au niveau national. Mais par rapport au processus électoral, il faut dire que pour ce processus électoral, les chefs religieux ne sont pas beaucoup intervenus parce que tout simplement, dès le départ, les jeunes, à travers les réseaux sociaux, les ont attaqués de manière vraiment virulente et qui a fait intervenir même les chefs de l'État. Et je pense qu'à partir de là, les chefs religieux ont commencé à faire un recul par rapport au champ politique. Et ils n'ont pas eu un grand impact sur le processus électoral. Et pour le confirmer, un des chefs religieux, confrérique, a soutenu le candidat du pouvoir, mais malgré son soutien, ce candidat a perdu. Et même dans le fief de ce chef religieux, le candidat a perdu. Pour dire que bon, la religion n'a pas beaucoup. N'a pas beaucoup impacté sur les élections. Par rapport à la création de plateformes régionales d'intelligence artificielle, vous savez, en matière d'intelligence, bon, je ne pense pas que ce sera une proposition viable parce que l'intelligence artificielle est une création, comme je disais tout à l'heure, de l'intelligence humaine. Alors, où se base l'intelligence artificielle? Je ne pense pas que ce soit une question de souveraineté nationale. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle se base au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ou Afrique du Nord, non. Je pense que bon, c'est des plateformes, c'est des outils qui sont là et qui sont utilisés au plan international. Maintenant, on peut encadrer très certainement l'intelligence artificielle dans certains cas. Par exemple, si, comme cas concret, je donne, par exemple, dans le secteur scolaire. On peut encadrer l'usage de l'intelligence artificielle pour dire aux élèves, aux étudiants de ne pas utiliser, de ne pas leur permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sphère scolaire. C'est-à-dire dans la sphère scolaire, je pense qu'on peut limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et par exemple, je vois que dans certains pays, par exemple, au moment des examens, on interdit l'usage ou l'utilisation du téléphone portable, tu vois, de l'ordinateur, etc. Et je pense que dans certains cas, oui, on peut encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Mais bon, dans d'autres cas, je pense que c'est des questions de liberté d'expression. Ce serait très difficile, à mon avis, de réguler cela. Et pour vous dire, par exemple, en matière de fausses informations, moi, personnellement, je ne vois pas la gravité de la fausse information, sauf dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la défense militaire. Oui, là, c'est très dangereux et je pense qu'il faut réglementer ça. Mais nous avons
Au plan international, nous avions eu ce qu'on appelle la journée internationale de la fausse information, et ça n'a choqué personne pendant des années et des années. L'année internationale de la fausse information, la journée internationale de la fausse information, c'est quelle journée? C'est le 1er avril. Les gens de ma génération de l'âge avancé savent ce que c'est le poisson d'avril. Et c'était une journée où les gens faisaient de la fausse information au plan international. Et ça n'a choqué personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été mis en prison parce qu'il a fait le poisson d'avril. Et le poisson d'avril, c'est une fausse information qu'on donne. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a l'effet amplificateur de l'Internet, l'effet amplificateur du numérique, ce qui fait que, bon, une petite fausse information qui est donnée ici au Sénégal peut s'internationaliser, c'est vrai. Mais je ne pense pas que. Maintenant, il faut différencier la fausse information de la diffamation. La diffamation, il faut réprimer parce que là, c'est une atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. Et je pense que sur ce plan, on est parfaitement d'accord. Sur plusieurs pays au plan international, la diffamation est pénalement punie. Mais la fausse information, quand même, à mon avis, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. À mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment mettre l'accent et faire un plaidoyer au niveau des décideurs pour que on puisse promouvoir la liberté d'expression. Merci, Merci. Monsieur Diop, pour ces compléments. Et il y avait encore plusieurs questions, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de ce webinaire qui a été riche en témoignages, en perspectives, en solutions aussi, hein, développées sur trois continents différents où la francophonie est active et vivace. Je tiens à remercier les différents intervenants pour le partage de leurs expériences et aussi des perspectives qu'ils voient aussi sur les manières et les solutions à développer pour encadrer cet enjeu qui se pose à nous tous de l'intelligence et des désordres de l'information et leur impact sur les processus électoraux. Je tiens à les remercier toutes et tous ici et puis remercier également notre partenaire pour l'organisation de ce webinaire, le Forum Information et Démocratie. J'espère que l'on aura l'occasion de partager à tous ceux qui ont suivi ce webinaire les différentes recommandations et les publications dont l'une est attendue encore en français, je crois. Je parle sous le contrôle de Camille, celle sur l'intelligence artificielle. Le rapport est en français. Très bien, on pourra le partager. Et puis, je voulais juste en concluant, mais vous remercier, remercier tous les personnes qui ont suivi. Vous étiez nombreux hein, aujourd'hui. Il y a un mot qui a été souvent évoqué par tous les intervenants, c'est celui de la coopération. Je pense que c'est un mot sur lequel on peut se quitter en encourageant justement la coopération entre tous les acteurs. Il y avait des acteurs représentant des États, une ambassadrice, un acteur représentant les autorités de régulation des médias, les organes de gestion des élections, la société civile. Je pense que tous ces acteurs ont besoin de coopérer. Toutes les bonnes volontés sont nécessaires à mettre ensemble pour parvenir à juguler, prévenir et lutter contre les désordres de l'information qui menacent nos processus démocratiques, notre cohésion sociale, nos sociétés. Il y a un mot aussi d'éducation qui a été souvent rappelé, de sensibilisation. Vous dire que l'OIF est pleinement impliqué évidemment dans ces enjeux de coopération, qu'elle souhaite évidemment soutenir tous ces efforts-là. Elle sera présente à Abidjan la semaine prochaine notamment, mais qu'elle soutient aussi la société civile à travers des projets de soutien à la vérification des faits, à l'éducation aux médias, à l'information, mais aussi à la recherche. Vous trouverez toutes les informations évidemment relatives à nos actions sur notre site internet et la page dédiée à la lutte contre la désinformation. Je vais pas m'étendre plus tôt, mais rester sur ce mot-là qui me semble essentiel aujourd'hui face à notamment à des plateformes qui sont très puissantes. La coopération est nécessaire, notamment avec ces plateformes, et cet enjeu-là sera discuté à Abidjan, et on sera ravis de pouvoir prendre connaissance des conclusions qui seront adoptées là-bas. Je vais rester sur ce mot
perspective, en vous remerciant, encore une fois tous les participants et les intervenants, en remerciant aussi Camille et le forum à travers lui. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée pour là où vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Camille. Au revoir.